Pierre et Gilles, ils s'inscrivent dans toute une famille d'artistes, effectivement, qui m'intéressent. Beaucoup d'artistes qui travaillent sur la question de l'identité. Leur travail est particulièrement intéressant à double titre. C'est un travail dont la technique, finalement, est assez méconnue et quand même très révélatrice, puisque ce sont en quelque sorte des artisans qui vont faire des tableaux photographiques avec une méthode vraiment qui s'inscrit dans la durée, un travail en amont de conception d'une image à travers leurs modèles qui peuvent être issus de, aussi bien de la variété que du cinéma, que de leur cercle d'amis, toujours des modèles qu'ils choisissent, dans lesquels une relation s'est instaurée. Et puis après, il y aura la création du décor, un décor complètement bricolé à l'intérieur de leur atelier du Pré Saint-Gervais. Et puis après, la prise de vue qui sera suivie de la peinture, de la photographie et puis de la peinture du report photographique en fait sur toile, puisque la technique a évolué. À chaque fois, ce sont des œuvres uniques et ça, les gens ne le savent pas toujours. Il n'y a aucun trafiquage numérique dans ces œuvres et c'est ça qui leur donne vraiment leur force. Pierre et Gilles réussissent à amener le spectateur à travers une certaine douceur, une certaine joliesse dans la manière de traiter leur sujet, à amener les gens finalement à des sujets qui sont parfois un petit peu difficiles. Et je crois que derrière chaque œuvre de Pierre et Gilles, il y a quelque chose de très politique. Tout sauf le clinquant, tout sauf les paillettes. Ça n'est pas immédiatement visible, ça apparaît plus ou moins au premier plan ou en arrière-plan. Et il y a tout ce travail qui nous amène finalement à réfléchir à la question de la tolérance. C'est accepter l'amour entre des hommes, des femmes, c'est accepter toutes les religions, c'est accepter la mixité raciale, c'est tous ces aspects sur lesquels ils nous amènent à réfléchir à travers leurs tableaux photographiques qui chacun sont des odes à l'humanité. Il y a environ 85 œuvres qui sont exposées dans cette exposition et elle ira après donc au musée André Malraux, au MUMA du Havre.